Millions et millions, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Il fait un petit peu frais, donc d'où je suis, extrêmement couverte. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Millions et millions, merci de faire un tour de partage afin que ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification puissent être informés que je suis en direct. Merci de faire un tour de partage afin que ceux ou celles qui ne me connaissent pas puissent avoir le plaisir et l'honneur de me suivre. Voilà. Mais hier a eu lieu la levée de corps de Mamiton. Mamiton nous a quittés très brusquement, mais vraiment brusquement, on ne s'y attendait pas. Et même jusqu'à maintenant, je n'arrive pas encore à réaliser. Voilà. Donc, mais vous connaissez, la mère des lionnes, les lionnes sont un peu partout. Donc, elles me font le rapport de qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de vous tenir informés. Je vous prie donc de faire un maximum de partage. Merci de faire un tour de partage afin que ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification, parce que vous savez que la page est restreinte, donc ceux ou celles qui n'ont pas reçu la notification pourront prendre acte de ce direct. Mesdames et messieurs, moi personnellement, va à l'enterrement. Le deuil n'est pas fini. Tu peux me payer le billet d'avion, Kion, avec les dents comme pour le raton laveur. Tu peux me payer le billet d'avion, tu me peux le billet d'avion parti. Donc, pour ceux ou celles qui ont demandé pourquoi, laisse même qu'elles soient tes poils, avec tes testicules comme les noyaux du Saint-Pangé. C'est toi qui vas me dire comment et comment je vais faire ma. Il y a trop de restrictions. J'ai beaucoup de restrictions. Donc, meilleurs et meilleurs, j'aurais vraiment voulu y aller, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que, bon, nous sommes ici en France en pleine rentrée scolaire. L'année passée, vous savez, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et le Cameroun. Et. Les maîtresses, les plaintes. Oh, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte que ton zout soit ridé, Kion. Avec les poils blanches au pubis. Comme une grand-mère de 70 ans. Ouais, vous savez qu'elle c'est là, non, c'est qu'au taquet, c'est en direct. Quand vous êtes en commande, il n'y a pas trop le temps de gérer. Parce que pas zout qui est très virulent. Mais quand elle soit en direct comme ça, là, tu sors ta maman et t'applique. J'ai laissé un message sur WhatsApp en haut de ta page. Lis, s'il te plaît. Le message, c'est pourquoi? C'est pour demander l'argent. C'est normal que je ne réponds pas. Hein? C'est normal que je ne réponde pas. Voilà. Donc, parce que vous êtes fort. On vous demande d'aller voter. Vous ne voulez pas aller voter pour venir manger dans les inbox. Laissez mon inbox tranquille. Je ne suis pas Mère Teresa. Beaucoup de courage depuis le Cameroun, chez moi, en Consamba. Merci, le repentir. Tata, j'ai entendu c'est bien les débriefings, voilà. Millions et millions, prenez place alors à ce deuil. Oui. Si vous avez bien remarqué, depuis je suis calme, hein? Depuis je suis moi très calme. Yvette, tu prends ton français, tu peux te torcher le cul avec. Tu comprends, non? Donc, tu prends tes corrections de français. Hein? Tu pars te torcher le cul. Tu vois, moi, non? Voilà. Avec tes dents comme les grains de maïs. Tu prends ton français, tu pars loin de torcher le cul. Loin de mon direct. Mais lui, on envoie les cœurs d'abord sur le direct. On n'a pas encore commencé le débriefing. Hein? On n'a pas encore commencé le débriefing. Envoyez! Moi, d'abord, les cœurs. Bombardez-moi, je vais voir une montagne de cœurs commencer à s'élever ici, là. Voilà. Une montagne de cœurs. Vous cliquez seulement sur les cœurs, cœurs. Mettez les cœurs d'abord. Voilà. Voilà. Millions et millions, Poupie a fait fort. Poupie a terriblement fait fort. Hein? Est-ce que vous saviez que Poupie était à côté de maman dans Range Rover? Je dois vous faire le débriefing. Maman n'a Range Rover était à la levée du corps, mais où les jeunes chantaient, que tous les artistes se sont regroupés, maman n'a Range Rover n'était pas là-bas. Faites un pied d'abord, ne puis-je me caler, puis-je me caler. Hein?
plus jamais que appuyer sur les cœurs. Vous pompez, pompez-moi les cœurs, mes gens. Si vous ne me pompez pas les cœurs, commencez par la pause publicitaire. Pompez-moi les cœurs, sinon je commence par la pause publicitaire. Vous commencez qu'elle commence à parler de Kamoise, c'est comme l'évangélisation. Si vous ne me pompez pas les cœurs, là, je vais commencer à parler comme... Je vais parler de Kamoise Beauty. Donc, mesdames et messieurs. Bon, comme j'étais donc en train de vous expliquer, j'aurais voulu assister à l'enterrement. C'était quelque chose qui était prévu même de base. Mais je me suis dit, bon, on devait mettre ça peut-être un mois après, le temps de faire les préparatifs. Et le temps pour moi aussi de me préparer. Je suis une chef d'entreprise, j'ai les enfants en charge... Je ne peux pas me déplacer n'importe comment. Et en plus, l'année passée, la maîtresse des enfants se plaignait que je suis partie au Cameroun et tout, machin, bref. Donc, ce qui fait que depuis là, je reste un peu tranquille. Parce que je ne veux pas que les gens là, hey, vous savez quand les maîtresses se plaignent, ça, non, c'est pas bon. Donc, reste-moi tranquille comme ça. Maintenant, c'est mes gens là, les lions qui étaient partout pour me donner les informations en temps et en heure de ce qui s'est passé, comment c'est passé. D'abord, on dit que l'organisation, c'était très bien organisé. On avait bien organisé. Bon, moi, je n'avais pas voulu être dans le... Parce qu'ils avaient créé le comité d'organisation. Je n'avais pas voulu être là-bas. C'est le babada. J'ai dit que non, on me tient, c'est m'informé et tout. Mais j'ai vu la veillée, tout s'est bien passé. Mais millions et millions, voici ce qui est plus important. Poupi et Amy. Hey! Voilà, vous avez que Poupi a assisté à tout l'événement. Elle a assisté l'éveil du corps, veillé sans corps. Ce qu'on dit que la nuit où les gens chantent le corps à côté, elle a assisté à tout ça. C'est pour le voyage, le village que je ne sais pas si elle est partie au village directement. Maman, quand elles se sont rencontrées à la morgue où on partait retirer le corps, ils se sont rencontrés là-bas. Ils étaient assis côte à côte. Hey, le coupement de yeux, maman. C'est toi qui as envoyé Aïcha me clasher. Voilà, voici les yeux de maman d'Arrange Rover. Attendez, vous montre. C'est toi qui as envoyé Aïcha me aller parler de moi sur Facebook. Non? Voilà, Poupi. Moi, je parle avec la couche. Elles se parlaient comme ça dans leur cœur. Hein? Ce n'est pas qu'elles se parlaient comme ça dans la bouche. Elles se parlaient comme ça dans leur cœur et dans les yeux. La lune qui était à côté voyait les yeux. J'ai dit à la lune qu'elle, zoom-moi le regard de ces filles. Zoom-moi leur regard. Je veux voir leur regard. Parce que tout se dit dans leur regard. Zoom-moi le regard de ces filles. Oh, voilà maman la Range Rover alias Robocop. C'est toi qui as envoyé la coûte chose de Paris là. Parlez sur moi, non? C'est toi, non? Voilà Poups. Moi, est-ce qu'elle parle avec elle? Tu m'as trahi, non? Tu m'as clashé sur Facebook. Tu sais que moi, je n'aime pas les scandales sur Facebook. Tu m'as clashé. Voilà, Robon. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Je vais te montrer. Je vais marcher avec tous tes amis. Je vais te piquer tous tes amis. J'ai vu la lune qui est à côté que prends d'abord la vidéo. Fixe-la dans les yeux. Tu vas me lire les yeux de yeux là. Tu me lis les yeux de yeux. Voilà aussi la mère d'Emmy qui est derrière. Coupe seulement l'œil à Poupi. Que ouais, ma fille. Je ne peux rien dire. Ouais, je ne peux rien dire. Tu vas bien, ma fille. Poupi, regarde aussi la mère dans le coupement. C'est une histoire de coupement de yeux. Mettez-moi les cœurs. Ouais, la mère. Hein? Ta fille a décidé de nous séparer, non? Elle se tient côte à côte. Millions et millions. Le coupement de yeux était tellement terrible que maman Range Rover n'a pas pu supporter. Elle n'est pas venue à la veillée artistique. Parce qu'elle est venue à l'enlèvement du corps, fait ce qu'on appelle l'acte de présence. Elle a fait son acte de présence. Elle est... Donc, le coupement de yeux. Parce que Couté d'abord parti avec une insolence. Un habillement insolent. Mais je sais même si c'était moi, vous me connaissez. Hein? J'allais attacher le sanja. J'allais attacher le pagne sur la tête. Et mettre mon kaba. Ouais, non, parce que la veille, je ne peux pas mettre mes matelots à la veille. Hein? Si je n'ai pas, je mets mes matelots. Mais mesdames et messieurs, comme c'est la veillée, je n'allais pas mettre le matelot. J'allais mettre le caban et attacher le sanja sur les cheveux. Parce qu'il fait chaud au Cameroun, il ne va pas me coiffer, J'allais mettre le caban et j'attache le sanja. Maman, venez voir Couté.
Kouté est parti sortir la dernière valise pour insolenter les gens. Kouté est parti sortir la dernière valise pour insolenter les gens. Est-ce qu'on fait ça? Maman Arrange Rover est venue, dit qu'elle veut se sentir humble. Ou elle avait mis que comment, ou les habits évasés. Les habits que soit, que vous, que hein, les habits évasés, évasés. Voilà Kouté qui arrive, maman, tout le monde regarde, c'est mon Kouté. Comme Kouté, on compte sur le Ndjang sans Kouté, maintenant comme une métisse. Kouté, maintenant comme une métisse, hein. Ah, tchong, Ndjang sans Nelin, tchong. Hey, Kouté atterrit là-bas comme une métisse, en noir. Qui ne va pas la voir? Qui ne va pas apercevoir une brune fille avec le noir? Voilà Kouté, avec sa courte taille comme deux pommes à genoux. Les habits branchés bien. Gama suit. Maman Kouté a mis le maquillage. Maman Kouté s'est maquillée le jour là, maman. Kouté était comme une poupée Barbie. Hey! On ne voyait même pas Sindima dès qu'il faisait 2 mètres. On voyait Kouté. Avec sa courte taille. On la voyait. Meilleur, c'est meilleur. Voilà. Parce que, vrai, de vous à moi, on a vu qui en quoi l'événement là, comme on a vu Kouté. Parce que maman Arrange. Maman Arrange, vous pouvez d'abord venir 2 jours avant. Nous sortit une histoire de mariage. Je reviens dessus après. J'étais occupée. Chacun a ses problèmes. J'étais terriblement occupée. Donc, je n'ai même pas décortiqué l'autre là. Donc, 2 jours avant, d'abord venir. Mais non, on dit que la fille. On vous fait la petite fille qui marche avec maman d'Arrange revenant. Attendez d'abord, je retire. Je vais vous faire le Congo ça de ça. On dit que la petite. Attendez d'abord, je vais vous faire le Congo ça. Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant, lumineux comme la mer de Lyon, la seule et unique qui fait les directs sans filtre, ça ne chauffe pas. Je dis bien que la seule et unique zoomée, prenez la peine de zoomer. Je rapproche le téléphone. Prenez la peine de zoomer. Voilà le teint. Je dis bien qu'avant, on doit d'abord, on va parler de la petite, vous voyez la petite qui tourne avec maman d'Arrange Rovella, non? Sans secouer là. Ouais, la petite qui tourne à maman Arrange revenant. Hein? MK Michel, ton nom ne fait que passer ou à côté du piment comme ça. Ça passe seulement comme ça là. C'est un peu. J'ai pas fini ma pause publicitaire. Partagez-moi d'abord le direct ici. Je disais que pour avoir un teint, si tu veux te balader dans l'ombre de la mort et ne craindre aucun mal, parce que les produits de chez Kamoise Beauty te délivre, ça lave tous tes péchés. Il y a l'huile d'onction dedans. Les produits de Kamoise Beauty te débarrassent de tous tes péchés. Maman m'a dit que la petite fille, on l'a vue avec qui? Oh, 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 les petits enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui. C'est un autre jour qu'elle veut soulever le dossier. Et vous savez que la mère de Lyon ne raconte pas du n'importe quoi. Vous savez que la mère de Lyon, quand la mère de Lyon ramène une information, 80% de l'information est vraie. 20% c'est le sel, le cube, le Ndjang sans qu'elle la rajoute pour que ça puisse avoir une odeur. Vous entendez avec quoi? S'il y a les lionnes qui sont présentes, écrivez là-bas, je suis une lionne, je suis une lionne, je suis une lionne. Pas attendre, ok, continue. Hein? S'il y a les lionnes qui sont dans ce direct-ci là, écrivez-moi en bas, je suis une lionne, je suis une lionne, je suis une lionne. Avant que vous déposez le dossier là. Parce que les dossiers. J'ai dit que non, je ne vois pas, je suis une lionne. Hein? J'ai dit que je ne vois pas le je suis une lionne, je ne vois pas. Je ne vois pas mes cœurs, je ne vois pas, je suis une lionne. Mettez en commande, je suis une lionne, je suis une lionne, je suis une lionne, je suis une lionne. Meilleurs et meilleurs! Quand je vous parle tous les jours ici, vous dites que la mère de Lyon bavarde beaucoup. Mais vous savez dans votre propre fond intérieur que la mère de Lyon dit beaucoup de vérité. Vous savez dans votre fond intérieur que la mère de Lyon dit beaucoup, 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 beaucoup de vérité. Mélions et Mélions, vous avez vu où Mamie Tong vivait. Quand je vous dis les acteurs, les actrices n'ont pas l'argent, vous vous asseyez, vous m'insultez. Aïcha est jalouse. Aïcha est ceci et cela. Quand je viens vous dire que votre mère des loveuses vit sur les dettes et les prêts d'argent,
Ouais, Jacques Amoins, qu'est-ce que tu veux de cette fille? C'est parce qu'elle n'est pas Bamileke. Toi, tu es Bamileke. Tu ne parles pas de Bamileke. Vous me ramenez le tribalisme. Vous me ramenez le tribalisme. Quand j'ai parlé du restaurant de Kouté ici, là, où on servait les plats, où c'était à combien de mille, je n'avais pas entendu en ce moment-là que Aïcha Kamoise, tu parles de ta soeur Bamileke. Non. Je n'avais pas entendu ça en ce moment-là. Vous avez une mémoire assez sélective. Mais laissez-moi, je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Je suis là pour vous rafraîchir la mémoire. Oui. Les lieux ne doivent pas être envieux. Oh. Parce que quand on vous parle de la réalité, vous avez vu où vivait Mamie Ton. Non? Bon, quand vous voyez où vivait Mamie Ton, vous donnez raison à la mère des lions à quel niveau? S'il vous plaît, dites-moi. S'il vous plaît, dites-moi un peu. Dites-moi. Parce que quand je parle, je dis que, oh, Aïcha Kamoise parle, machin, tout ça. Vous avez vu où Mamie Ton? 20 ans de carrière. La beauté, elle avait. C'est une très belle femme. Aux yeux de noisette, avec la corpulence et la taille qu'il faut. Ah oui, quand on parle de beauté en elle-même, Mamie Ton avait le teint commercial. Mamie Ton avait les yeux de noisette naturelle et pas les lentilles. Pas les lentilles. Teint commercial. Forme généreuse. Yeux de noisette. La popularité. Mais est-ce que Mamie Ton a une seule fois vécu la vie que les autres vivent? Il ne veut pas vous signer. Il ne veut pas vous faire les dessins. Vous avez vu où Mamie Ton vivait? Donc Mamie Ton aussi, les autres nous disent que c'est l'agent du cinéma. Donc l'agent du cinéma là ne pouvait pas aussi faire en sorte que Mamie Ton vivait dans le duplex. C'est parce que Mamie Ton était une femme très discrète que je n'ai jamais eu à parler d'elle. Elle n'était pas dans les Congo ça même. Je n'ai jamais entendu qu'il y a eu un Congo ça, le nom de Mamie Ton est passé au milieu. Je n'ai jamais vu, il y a, je ne sais pas, son nom ne passait pas à côté. Parce qu'il y a le groupe des cinéastes réconciliés là, où vous voyez souvent, eux se disputent là-bas, ils sont au courant. Mais jamais j'ai entendu que Mamie Ton avait dit que Mamie Ton, on est parti chercher pour moi, Mamie Ton, parce que Mamie Ton, du moins pour l'instant, rien. Donc, quand vous voyez où Mamie Ton vivait, avec des formes généreuses, en tant commercial, des yeux de noisette, une popularité, pourquoi n'était-elle pas dans un duplex comme d'autres qui nous font croire qu'elles sont là à cause de l'argent du cinéma camerounais. Et je tiens à signaler que elle avait 20 ans de carrière. Pas 20 jours, pas 20 semaines, pas 20 mois, mais 20 ans de carrière. Mais en 20 ans de carrière, quand je vais parler, on va me dire, oui, mais Aïcha, et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis une chef d'entreprise, moi. Ah oui. Et qui paye ses impôts? Qui peut justifier, je dis bien justifier la provenance de son argent? Ah oui. Je dis bien qui peut justifier la provenance de son argent? Qui peut justifier son chiffre d'affaires? Qui paye en moyenne 8 000 euros? Pas les impôts sur les revenus des sociétés. Impôts sur les revenus. Mais quand tu vas venir tirer la sonnette d'alarme pour parler à cette jeunesse envieuse-là, elles vont te dire que non, tu es jalouse. Voilà une qu'on appelle Mabio. Qu'on a mis à la marque en Côte d'Ivoire. Qu'on a mis à la marque en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais jamais imaginer que cette femme-là pouvait manquer 3 millions dans son compte en banque. Moi-même, si on me réveille à 2 euros, 4 euros, 5 euros, je ne sais pas, il y a une certaine somme qu'elle ne peut pas manquer. Mais le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, certaines personnes sont venues
crée une image, au fait. Se construit une image. Elle était le père et la mère de ses enfants. Les actrices que vous voyez là, vous voyez les pères. Moi, vous avez vu le père de mes deux. Elle était le père et la mère. Mais les actrices que vous voyez là, vous avez là, vu les pères. Est-ce que vous avez là, vu les pères? Bande de cerveaux frélatés. Vous avez là, vu les pères? Non. Pause publicitaire. Faites en tous notre site internet www.camoisbeauty.com pour acquérir nos produits. Nous avons aussi des magnifiques perruques. Perruques à extension. Ça, c'est une perruque, une vietnamienne. Regardez vous-même d'où c'est souple. Regardez vous-même d'où c'est souple. C'est un deux tons. Hein. C'est un deux tons. Regardez vous-même comment la mèche, elle est souple. La mèche, elle est obéissante. Bref. Non! Parce que quand on veut vous parler des réalités... Vous êtes là que, oh, tu es jalouse. Ne comparez pas avec la mère des braves. La mère des braves a rencontré un homme qui a les dos. C'est différent. Vous comprenez avec quoi? Pompez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, pardon. Pompez-moi les cœurs. Il ne voit pas mes cœurs. Pompez-moi les cœurs. On partage. Parce que je ne comprends pas comment... On dirait que le direct est signalé. Le direct est attaqué. Parce que là, ça descend. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. On like et puis on partage. On like, on partage. On like, on partage. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas Jessica Serré pour resserrer votre tête. Pour resserrer votre tête, les filles, pour avoir une hygiène intime. Attendez, j'arrive. Une hygiène intime incolore, inodore, sans saveur, j'utilise les produits intimes de chez Camoise Beauty. Produits intimes de chez Camoise Beauty. Tu as la mousse pour laver la barbe, non. Tu as les ovules pour lutter contre perte blanche abondante, osée nauséabonde, démangeaison vaginale. Donc, tu as les perles détox, yoni, pour lutter contre tout ce qui est kyste ovarien, fibrome, myome et consort. Et puis tu as Jessica Serré pour resserrer le nzout. Pour serrer le nzout correctement comme il faut. Donc, millions et millions, je vous reviens. Bisous.